Quand vous entendrez l'explosion du bacon, les brake pads ne sont jamais loin. Soyez par contre les premiers à arriver, c'est dans la limite de stock disponible. Bon, bon, bon. Archipoète, c'était quelque chose. Maintenant, trouvons José Bové. Qu'est-ce qu'aimerait José Bové pour revenir dans un endroit aussi nul, finalement, où ne résident que des boucs sacrés et autres archi... Dieu, mais... qu'est-ce que... un buisson? Moi, José Bové, l'illustre renard cosmique, aime beaucoup les baies. Qu'est-ce qui se passe? Les baies! José Bové! Je vais faire le plus grand chant de cette mixture étrange et affable qu'a précis José Bové. Bon, cette plateforme est bien trop étroite, je vais juste écrire José. Donc ça c'est un J, là ça c'est un E et un O. Là on va faire un S volumétrique et ici un E. Doublé d'une petite anticroche, voilà. Bon. Est-ce que ça fait José vu du ciel, ça José ? Faudrait que je fasse un signe, un truc de quelque chose. Peut-être qu'il y a plus haut dans le ciel, parce que bon, là, peut-être, sans doute qu'il le voit, je n'en doute point. Je pense que de là-haut, on peut le voir. Mais peut-être qu'il faudrait un signal beaucoup plus fort, un beacon, par exemple. Et pour ça, il faudrait... Oh, il faudrait vaincre un Wither. Je m'en charge. Oh Robert, tu te rappelles la fois où on a fait une belle partie de pétancule? De quoi ça, le pétancule? Moi, je me casse. Une conversation très intéressante. Mais non! Oui! Hop là! Bon, on va faire tout ça ici, hein. José. Ah, on le lit bien quand même. On le lit bien en vue du ciel. Oh non, y a pas à dire. Y a pas à dire, ça va être parfait. Et là, on va rajouter la chose, l'élément fondamental qui va permettre... à José de nous retrouver. Peut-être que j'aurais pas dû le faire au niveau de cet endroit-là. Attendez, on va déjà s'occuper de Raymond Barre, juste au cas où. Pas que je m'inquiète éperdument. Peut-être fuir... Aïe. Je n'avais pas prévu. Ah. Cet enfer. Oui, bonjour, Wither. Je vais mourir. Une seconde, Wither. Oui. Salut. Hop là. Hello there. Faut peut-être discuter, non? Tu ne penses pas? Heureusement, j'ai fait quand même un peu de dégâts. Wow, retour dans le trou. Ok, c'est la technique du quoi. Je ne m'attendais pas du tout à un combat comme celui-là, mais... Oh! Ok. ça va bien se passer. Allez, Jean Castex. Tu peux le faire, Jean Castex. Tu peux le faire. On va dire que c'est bon. Allez, José Bové. José Bové. Wow. C'était facile. J'espère que mon message à José Bové n'a pas pris trop de dégâts. José... Bon. Peut-être plus. De toute manière, on le voyait pas trop de haut. L'important, c'est cette Nether Star. Et grâce à elle, je vais pouvoir absolument créer un beacon de tous les diables. Bon, par contre, il me faudrait un endroit pour mettre tout ça. Et ça, là, c'est un peu détruit quand même. Ah, sur cet arbre qui a vu tant de choses. Mais il y a une autre montagne là-bas. Et tout aussi haute, et sans doute bien moins assiégée que cet endroit absolument terrible.
Bah alors écoutez, je pense que je vais aller là-bas, hein. Ça sera beaucoup mieux pour installer l'ambassade du plan cosmique. Ah, voilà. Là, c'est parfait. Bienvenue, bienvenue. Alors, l'ambassade du plan cosmique. Au cœur de cette montagne, bien loin de ce genre massif, Morandini ou je ne sais quoi. Non, vraiment, là, c'est parfait. Sur la chaîne des Aliagas, comme j'ai pu le trouver sur certains écrits très anciens trouvés dans le fond de ces grottes. Voilà, la coffre des salles, le centre névralgique absolument formidable, voilà, qui se trouve ici, voilà, dans une splendeur incarnée. Voilà, c'est vraiment pour rappeler cette idée à José Bové finalement que. Et voilà, il y a cette puissance dans le tournicota, il aimait beaucoup ça. Donc beaucoup de coffres vides, côté coffre tout de même. Mais surtout, voilà, cette baie incroyable qui mettrait, je pense, qui permettra de maximiser toute l'énergie du beacon qui est juste là, voilà, et qui va nous permettre de communiquer directement à ce José Bové absolument formidable. Mais pour cela, il faut que je récupère avant les matériaux nécessaires. Salut! Mais putain, mais c'est Archipoète! Bonjour Archipoète! Bonjour! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Comment vous avez. Oui, bonjour! Allô, Archipoète, vous m'entendez? J'ai pas de réseau, pardon! Ah! Attendez, j'arrive! Ok! Bonjour Archipoète, sans rancune hein, pour la dernière fois, finalement vous m'avez trouvé un sacré bel endroit, mais... Oui, mais c'est... ce sera joli ici. Oui. Bien, vous auriez pas vu, parce que vous avez l'air quand même de savoir des choses malgré votre stupidité profonde, est-ce que vous ne savez pas par hasard où se trouverait José Bové, l'illustre renard? Ah, vous cherchez José? Oui, Bové. Il est... Oui. Vous n'improvisez pas là. Vous êtes sûr de vous? Parce que la dernière fois qu'on a fait ça. Oui. D'accord. Par là-bas. D'accord. Donc je m'y rends et je vais le trouver. Oui, là-bas. À coup sûr. Oui. Bah j'y vais. Salut! Au revoir, merci! Bon. Y a sans doute rien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Grotte sympathique. Wow. Canyon absolument méandrique. Bon, José Bové aimait bien les trous, donc pourquoi pas, mais... José? José? Oui. Mais comment c'est... Mais... Enfin, c'est moi, José Bové. Mais Archipoète! Mais vous comment vous avez fait pour vous téléporter? Oh, vous êtes malade! vous n'êtes pas José Bové, enfin ça se saurait, enfin ça se voit à votre gueule. Regardez ma moustache! Oui, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je dis. En tout cas, jeune aventurier, j'ai ton objet. J'en ai plein en fait. Bon, Archipoète, je vous laisse ici, hein. Allez, salut! Mais. Oh bah merde alors. Wouhouhou! Alors, bon, ceci étant fait, José Bové n'étant pas été retrouvé, on revient au plan initial qui, lui, devrait fonctionner à tous les coups. N'est-ce pas, monsieur le conseiller Pôle emploi? Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur le conseiller? Faudra vraiment retourner à Pôle emploi, ce n'est plus possible. Bonjour! Comme ça. Bon, du coup, il me faut juste quelque chose pour le beacon, mais je ne sais plus où j'ai mis mes blocs d'iron. Okay. Il y en a un là, mais. Ah non, il y en a 9. Et.
Bon, j'avais dû les laisser tomber là. Rien de bien inquiétant. Pas comme s'il y avait quelqu'un chez moi ou... très bien. Eh ben, on va les poser. Voilà, c'est ici, absolument. Aïe, aïe. Pourquoi il y a... Ça pousse aussi à cet endroit-là. Bon, trêve. Trêve de blablatage, de bavardouche, de schmilblick en mousse. Paf, puf, paf. Je blub, blub. Incroyable. Et là, c'est le moment fatidique où... Ah, j'ai oublié de crafter. Je suis vraiment pas très doué aujourd'hui. Enfin, depuis que j'ai construit ça. Faut que je récupère les équipements nécessaires pour faire le beacon. Je ne sais pas si j'ai des tels... Archipouette ? Encore vous ? Complètement fou, ça. Eh bien, let's go ! Le beacon. C'est mardi. Incroyable quand même ces items qui drop. Cette coffre des salles a vraiment des effets magiques absolument formidables, s'il en est. Bien. Je vais pouvoir placer le beacon pour en créer... Aïe, 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 oui, le signal qui va permettre à José Bové de nous recontacter. C'est parti. Pas en doute, c'est le moment. Mais quand liste de pantoute est-ce qu'il tombait? Wow! C'était quoi ce boucan? Par là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben je cherche des brake pads, pas en doute. Mais, attendez, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais qui êtes-vous? Enchanté, je m'appelle José Rable.